vais essayer de vous présenter les techniques de pêche au black bass, qui sont souvent perçues comme des techniques difficiles à mettre en place parce que le black bass est un poisson soi-disant fantasque. Et il s'avère que on n'utilise pas forcément son agressivité légendaire. Nous allons essayer de pêcher tout au long de ce film avec des gros leurres. Le fil conducteur, ce sera des gros leurres pour pêcher des gros poissons. À la mouche, au leurre souple, au poisson nageur et au vif. J'espère que les gros poissons seront au rendez-vous et nous allons maintenant nous mettre en œuvre. Pour la première technique que nous allons utiliser, à savoir la pêche à la mouche, mouche entre parenthèses parce que nous sommes très loin des pêches de la truite traditionnelle, nous avons deux possibilités, soit les pêches de surface, soit les pêches de fond. Alors, pour les pêches de surface, nous utiliserons ce que l'on appelle communément dans le milieu de la pêche, des poppers. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un assortiment de poppers dans différentes tailles, des petits poppers, mais aussi de gros poppers, de poppers de taille moyenne et de formes diverses. Mais nous pourrons utiliser aussi un leurre redoutable qui est une imitation de grenouille, une des proies favorites du black bass. Petite particularité, cette mouche, entre parenthèses, est équipée d'un hameçon appelé anti-herbe, avec la particularité d'avoir un gros nylon qui recouvre l'hameçon, permettant ainsi de lancer votre moucheleur au milieu des tas de bois dans les caches les plus profondes de nos amis black bass. De même, on pourra utiliser une imitation de souris, avec le même équipement anti-herbe. Pour les pêches de fond, nous utiliserons ce que l'on appelle des streamers. Alors, généralement, on utilise des streamers de taille moyenne pour les pêches du black bass, comme des peaux de lapin, en noir, en olive, en rouge. Ce sont des couleurs qui marchent très bien. Personnellement, toujours dans l'optique de rechercher des gros poissons, je préfère utiliser des streamers de taille très conséquente, à savoir des streamers dits abrochés, qu'on va retrouver là dans les couleurs les plus diverses, mais qui, à mon sens, permettront de séduire des gros poissons, car peu habitués à ce type de leurre. Je vais vous présenter les quelques accessoires indispensables, hormis les leurres pour cette pêche. Le plus important, les lunettes polarisantes. Ces lunettes qui éliminent les reflets à la surface de l'eau vous permettront de distinguer les poissons cachés sur les bordures ou dans les tas de bois et ainsi les pêcher à vue. Donc, le plus important, les lunettes. Ensuite, nous allons passer au gros matériel, à savoir les cannes et les moulinets. Pour les pêches de surface, nous utiliserons une canne de puissance 7-8 au niveau soie, c'est-à-dire capable de propulser une soie lourde et un gros leurre. Le leurre de surface, vous voyez, de taille très conséquente, toujours équipé d'un hameçon anti-herbe. Quant au moulinet, ce qu'on va lui demander, c'est d'avoir d'une part une bobine large pour éviter que les spires de la soie s'entrecroisent et se serrent de trop, et un frein manuel très sensible parce que les rushs d'un gros black bass sont assez violents. Nous utiliserons des bas de ligne très puissants. À savoir, la pointe se terminera par un 28 voire un 30 centièmes, ce qui va nous permettre de brider le poisson et éviter ainsi qu'il retourne dans sa cache au milieu des tas de bois et nous casse irrémédiablement. Pour la pêche de fond, dite au streamer, nous utiliserons le même matériel, si ce n'est qu'à la place d'un leurre de surface, nous utiliserons un streamer qui va, comme il est lesté, descendre au fond et pêcher ainsi les couches les plus profondes de l'eau. Vous pourrez noter que le streamer est de taille très conséquente parce que nous cherchons des beaux poissons. Ce qui va se passer quand on arrive au bord d'un plan d'eau sauvage comme celui-ci, très encombré, la discrétion est de rigueur. Pourquoi ? Parce que les poissons se situent généralement à l'affût, tout en bordure, à la recherche d'insectes et de batraciens. Alors en ce moment, c'est la période des libellules et ils sont très actifs sur les libellules rouges et bleues, mais aussi sur les grenouilles. Nous allons donc commencer par une pêche de surface. Vous voyez que j'essaie de m'approcher le plus discrètement possible parce que nous pouvons avoir des poissons quasiment au bord. Alors, l'action d'un leurre de surface, eh bien, c'est très simple. Nous allons essayer d'imiter un insecte terrestre ou une grenouille rampant sur l'eau pour regagner la berge. Donc, en effectuant des petites tirées sur la canne, nous donnons un mouvement ainsi au leurre qui ressemble à s'y méprendre à une grenouille se déplaçant sur l'eau. Lorsque le leurre tombe sur l'eau, chose très importante,
Laissez bien le rond de l'impact se diffuser. Bien souvent, les poissons, par curiosité, viennent de très très loin pour voir. N'hésitez pas à faire de longtemps sans animation. Ce poisson qui est le black bass est capable de vous suivre votre leurre du bout du nez sans pour autant se décider, et on ne sait pas pour quelle raison miraculeuse, à un moment donné, il mord. Pour l'instant, les poissons n'ont pas l'air trop en activité de ce côté-là. Je vais carrément aller chercher dans leur maison, à savoir dans les tas de bois que vous pouvez voir en face. Je vais donc me déplacer et aller chercher à domicile. Quelques difficultés pour prendre des poissons en surface pour l'instant. C'est logique avec le black, hein, il a 16 heures d'activité en surface. Donc nous allons essayer de le pêcher légèrement plus au fond avec un streamer à brochet. Voilà notre ami le streamer. Vous voyez, avec ses plumes un peu toutes les couleurs, qui est censé imiter on ne sait trop quoi, mais qui a l'art et la manière de déclencher l'agressivité des poissons. Alors, l'astuce, c'est de ne pas laisser descendre trop son streamer, de le maintenir juste dans la pellicule, savoir entre 5 et 10 cm sur la surface, et de le dandiner. Je viens d'avoir une attaque. C'était un petit poisson. Il n'a pas insisté. A priori, nous allons voir si ça se vérifie une deuxième fois. Mais peut-être que la solution était là. Une autre manière d'animer son streamer est de procéder par petites tirées dessus. Sur la tirée, les plumes s'allongent. Sur le relâché, les plumes se gonflent. Et c'est un petit côté attractif supplémentaire. Ah, une petite attaque. C'est parti. Beau poisson. Regardez-moi ce poisson. Regardez-moi ce poisson magnifique. Il est superbe. On va le ranimer. Ah, il s'était bien piqué. Hein. On va le décrocher. L'avantage avec les gros hameçons et ces gros leurres, c'est que quoi qu'il arrive, le poisson est bien piqué. Un beau poisson qui fait ses 2 kilos bien tassés. On va le remettre dans son élément, on lui dit au revoir et une prochaine fois. Il va passer le mur d'herbe et c'est parti. Tout à l'heure, le leurre de surface que j'avais essayé ne marchait pas. Je vais donc mettre la grenouille fétiche. Toujours la même discrétion en approche. Attention, quelque chose s'est déplacé sur le bord. Il y a eu un remous. Alors soit j'ai effrayé un poisson, ce qui n'est pas impossible du tout, soit sur le rond, il est venu voir ce que c'était. Nous allons nous rapprocher de plus en plus des tas de bois que j'ai en face de moi, qui sont des postes privilégiés.
Maintenant, il n'y a rien qui empêche un poisson de suivre et de prendre en plein milieu. Il fait une chaleur caniculaire. C'est un temps qui est quasiment idéal pour la pêche du black. Encore une petite heure de chaleur comme ça et tous les poissons devraient avoir le nez à la fenêtre. La limite de l'ombre du soleil. Ouf, ça c'est mal pêché. Très mal pêché. On va changer un peu l'animation, des fois que. Là, c'est fait. Oh, dommage. Voilà. Comme quoi, ça marche. On a vu que c'était un beau poisson. Et alors, là aussi, l'originalité de ce poisson, c'est qu'il a une faculté à se décrocher hors du commun. Bon, et bien on va les laisser se reposer. Ils sont en train de se mettre en activité. Dans une heure, ça devrait être excellent. Sur les poissons de taille moyenne, la libellule, ça reste quand même quelque chose de très efficace. Alors pour la petite histoire, ça c'est un poisson qui fait à peu près 20 cm. Quand on sait qu'en France la maille du black bass est à 23, ça paraît quand même ridicule de vouloir garder des poissons de cette taille-là. Alors soyons raisonnables et si nous voulons conserver un poisson, bien, fixons-nous une maille bien plus importante. Bon, petit poisson. Alors voyez la taille du leurre, voyez la taille du poisson, ça nous donne une idée de la voracité de nos amis les blacks. On se râpe un tout petit peu les doigts, mais alors celui-là est pas très gros, il doit faire 500-600 grammes. Regardez déjà la gueule du poisson. Quand je dis d'employer des gros leurres, ça parle tout seul. On va le décrocher et lui rendre sa liberté. Voilà. Là-bas, deux poissons au fond. Attention, ils arrivent. Il y en a un qui vient vers mon pop. Alors, ils sont venus voir. Et a priori, on ne les a pas tentés plus que ça. We'll be right back.
Je vais essayer de vous présenter maintenant les quelques ingrédients indispensables, à mon sens, pour réussir une partie de pêche au black bass au leurre souple. À mon sens, les quelques ingrédients véritablement indispensables, hormis les leurres souples. Soit nous utiliserons des têtes plombées, comme ceci, soit nous utiliserons des hameçons de forme très particulière, dont je vais vous expliquer l'usage après. Avec ces hameçons, nous utiliserons comme leste des plombales qui sont percées aux deux extrémités et de forme balle de fusil pour pouvoir passer à travers tous les obstacles. Dernier petit ingrédient important, un aiguisoir très simple mais qui permet d'avoir toujours un hameçon affûté et qui évitera bien souvent de décrocher. Les leurres. Trois types de leurres essentiels à mon sens. Les virgules en différentes couleurs et différentes tailles suivant l'humeur. Premier type de leurre souple, les virgules. Leur originalité, vous voyez cette énorme queue qui va frétiller intensément dans l'eau et qui bien souvent déclenche des attaques. À utiliser dans différentes tailles et dans des couleurs qui, ma foi, sont au goût de chacun. Deuxième type de leurre souple, et quelque part, ce sont mes préférés, les imitations animales. Je pense aux écrevisses essentiellement et aux grenouilles, terriblement efficaces. Troisième type de leurre souple, ce que l'on appellera les vers. Alors, vous avez les imitations de vers, ce qu'on appelle éventuellement les slugs, à utiliser d'après moi avec des montages anti-herbes et justement dans les herbiers. Je vais vous présenter rapidement maintenant mon montage de prédilection, à savoir le montage texan. Pour le montage texan, les trois ingrédients. Notre balle percée qui va coulisser sur le nylon, la pointe inclinée vers le haut, un nœud cuillère et notre fameux hameçon. Pourquoi un hameçon comme ceci? Vous prenez votre leurre souple, vous le piquez, vous faites ressortir. Vous l'amenez jusqu'à la hampe. Vous le tournez et vous repiquez comme ceci sans faire dépasser l'hameçon. Vous aurez ainsi un montage qui sera anti-herbe, qui pourra passer dans les troncs d'arbres puisque l'hameçon est caché par le leurre souple. Mais comme la forme de ce leurre souple est assez fine, sur le moindre ferrage, la pointe cachée en partie ici se détachera pour venir piquer le poisson. Ça, c'est ce qui reste d'un leurre souple sur sa monture après l'attaque d'un poisson. Ce montage est vraiment très très intéressant parce qu'il conserve la souplesse naturelle du leurre souple, beaucoup plus qu'une tête plombée à mon sens, et permet d'explorer et d'exploiter tous les postes possibles et imaginables sur un plan d'eau ou une rivière. Au niveau du ce que l'on appelle le gros matériel, je vous conseille pour la pêche au leurre souple une canne de type action Veron Mormagné, à savoir douce de la pointe et assez nerveuse derrière, dans des longueurs qui iront de 2,70 m à 3,40 m suivant les goûts. Mais l'ingrédient indispensable, c'est un nylon fluo qui vous permettra de visualiser la position de votre leurre, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Et vous savez que nous avons des touches violentes, mais nous avons aussi des touches très fines. Et le déplacement de ce fil fluo vous permettra de ferrer beaucoup plus de poissons qu'avec un nylon traditionnel. Quelques poissons dans les bois là. Oh le beau poisson. Et un superbe poisson dans le tas de bois. Ce type de pêche dans les tas de bois, on pêche carrément à la verticale, ou quasiment. C'est de la pêche à la dandine avec un leurre souple. Ou là aussi, une discrétion absolue dans le bateau.
Alors avec cette technique, on peut toucher non seulement des blacks, mais aussi des cendres et des brochets. Il est bien évident que si je touche un brochet avec le bas de ligne nylon, nous allons avoir quelques difficultés. Retourner dans le tas de bois. On va faire un passage. Et je suis obligé de pêcher au leurre souple, donc au fond, parce que il n'y a quasiment pas d'activité en surface, ce qui est dû à ce fameux vent que nous connaissons bien, qui nous bouge absolument tout ce qu'il y a en surface, et ça, le black n'aime pas du tout. Le vent est l'ennemi juré du black bass. Voilà, grâce aux lunettes polarisantes. Un petit poisson, 300-400 grammes. On va essayer de le saisir. Voilà, joli. Un petit poisson, mais une jolie récompense parce que la pêche n'est vraiment pas facile. Allez, va grandir. Je viens de repérer deux très très beaux poissons dans le tas de bois qui sont à l'affût. Si jamais j'en touche un, il va y avoir du sport. C'est parti. Vous voyez l'intérêt du 30 centièmes, on sort le poisson du tas de bois. Même un petit poisson de 800 grammes comme ça, et si je ne sors pas d'autorité, il me casse. Allez, on va regagner ta liberté, toi. Ah. On comprend mieux pourquoi les Américains consomment tant de leur soupe. Il a suffi de voir l'état de mon écrevisse après les 7-8 touches de suite. Elle est quasiment bonne à être jetée. Alors là, nous avons un beau poisson, un très très beau poisson dans l'herbier. Je l'ai repéré, on va essayer de le faire mordre. Hop là. Pendu. Oh! Oh, il est énervant ce poisson, hein. Mais qu'est-ce qu'on l'aime. Voilà ce qui fait tout le charme de la pêche au black. Une pêche de trac. Une pêche où il faut se comporter comme un prédateur. Mais on ne sait jamais gagner d'avance. Hein. Vous avez vu le nombre de décrochés que j'ai eu depuis ce matin. Les dessous d'arbres noyés comme ceci sont souvent d'excellents postes. Faut pas hésiter à y promener votre leurre. Hop là, j'ai dérangé un poisson. Hop là. Décroché. Je lance sur la berge, les poissons étaient à 10 cm du bord. Voilà encore une attaque. C'est très net, on ne peut pas se tromper. Oh! C'est Eric en cours. On ne perd pas le sens de l'humour, surtout pas. Mais ça commence à faire beaucoup. On vient d'avoir une petite attaque. Superbe. Allez, viens que je te rende ta liberté. Alors lui, il aimait tellement mon leurre souple qu'il me l'a mangé. Allez, retourne. Va gagner ta vie.
Je vais vous présenter maintenant une pêche très sympathique, attractive et productive. La pêche du black bass au poisson nageur. Premier groupe de ce que l'on appellera entre parenthèses des poissons nageurs, parce qu'ils n'en ont pas vraiment la forme, les poppers de surface, les poppers à lancer. Leur particularité est d'avoir une face droite, de manière à ce que lorsqu'on effectuera des tractions dessus, ils vont émettre des ploufs et des pops sonores. Donc on reprend avec ce type de poisson nageur le principe des poppers à la mouche, mais avec une taille beaucoup plus conséquente, et ceux-ci sont destinés à être lancés avec du matériel classique. Deuxième type de leurre, les véritables poissons nageurs. Trois formes principales pour les poissons nageurs. Forme articulée, que ce soit en flottant ou en plongeant. Forme bombée, que ce soit là aussi en plongeant ou en flottant. Et le poisson rectiligne, là aussi dans les deux versions, voire trois versions avec le semi-plongeant. Personnellement, j'utilise avec beaucoup de plaisir les poissons articulés, notamment en version flottante, qui ont l'avantage pour moi d'être constamment en activité. Et enfin, troisième type de poisson nageur, un poisson nageur qu'on appelle communément les poissons bâtons ou les leurres bâtons ou stick bait en anglais. Leur originalité, ce sont des leurres qui au départ ont été créés pour la mer, ce sont des leurres de surface qui ont une nage en zigzag. Et il s'avère qu'à l'usage, ce genre de poisson nageur est très très efficace sur les black bass, notamment au plus fort de l'été. Les blacks se délectent de ces poissons qui arrivent en zigzagant de tous les côtés. Et je vous conseille d'en avoir toujours un dans votre boîte, il peut vous éviter bien des déboires. Pour la pêche au poisson nageur, au niveau du gros matériel, vous pourrez utiliser les cannes à verron manié dont nous avons parlé précédemment pour les leurres souples, mais vous trouvez aussi maintenant sur le marché français des cannes spécialement conçues pour la pêche au poisson nageur. Pour le moulinet, un moulinet de type lancé, si possible en frein arrière parce que c'est nettement plus commode, et nous retrouvons toujours notre nylon fluo qui là encore nous permet de visualiser en permanence notre poisson et l'endroit où il se situe. Le diamètre de ce nylon se situera, tout comme pour le leurre souple, en 26 ou 28 centièmes. Moi je pêche essentiellement, lorsque je pêche au poisson nageur, avec des poissons articulés. Vous voyez où le corps bouge en plusieurs endroits différents. On le voit bien ici. Et de plus, des poissons flottants. Pourquoi ? Parce que le poisson flottant, lorsqu'il tombe, fait la même chose qu'un popper. Il émet un grand rond. Le black vient se rendre compte et bien souvent il attaque alors que le poisson est encore immobile. Si ça ne suffit pas, des petits ramenés comme ceci suffisent souvent à déclencher l'attaque. C'est pour ça que personnellement j'utilise des poissons nageurs flottants parce que j'ai toujours trouvé beaucoup de satisfaction. Maintenant, on peut prendre sans aucune difficulté des black bass avec des poissons nageurs plongeants, voire semi-plongeants, voire ce qu'on appelle aujourd'hui les suspending, c'est-à-dire des poissons nageurs qui descendent et lorsqu'on se met à mouliner, restent à la même profondeur. C'est intéressant ça à pêcher dans les plans d'eau où il y a beaucoup d'herbiers. Quand on pêche à vue comme ça, il faut toujours garder son sang-froid. Regardez derrière, regardez, il est venu voir. Attention, il est dessous. Il est venu voir, je vais essayer de l'énerver, il revient. Attention, il revient. Ce poisson m'a vu. Si j'avais pêché accroupi dans le bateau, il mordait, c'est certain. Donc, faute de pêche. Faire attention à toujours rester le plus discret possible. On va essayer de faire mordre son grand frère. Je lui suis tombé à 3 cm, on va voir s'il veut bien monter. Hop, ça y est, c'est parti. Superbe. Là, vous avez tout vécu en direct. Repérer le poisson, poser le poisson nageur et le faire mordre. En plus, ils ont une défense du feu de Dieu. C'est superbe. Waouh. Voilà. Alors merci les lunettes polarisantes.
Je le dirai jamais assez dans ce type de pêche. Tu as fait bien souvent la différence. Allez, au revoir mon grand. Petit derrière, hop là. Il a attaqué un poisson nageur plus gros que lui. Ça vous donne une idée de la voracité de ce poisson quand même. Hein. Alors on continue notre promenade. Ça c'est tout le charme de pêcher en bateau quand même. Hein. Ouais. C'est pas un gros poisson, mais c'est sympa comme tout. D'arriver à les faire mordre comme ça. Regardez la voracité du poisson. Le poisson nageur est presque plus gros que lui. Voilà, ça y est. Je vais pouvoir prendre ta liberté, mon grand. Il est petit, mais il était tellement violent dans son attaque qu'il était solidement accroché. Voilà. Alors, pour la petite histoire, regardez la voracité d'un petit poisson de 25 cm. La taille du poisson nageur qu'il a attaqué. Et je me répète, regardez le côté ridicule d'une maille à 23. Voilà ce que c'est 23 cm. À bon entendeur. Au revoir mon grand. Je crois que j'ai un beau poisson qui est venu voir. Alors là, je le pop comme une grenouille. Il n'a pas tapé. Mais il y avait un joli poisson. On va essayer de le faire mordre en l'attaquant un peu différemment. Par l'arrière. Non, mais c'est un poisson têtu. Oh le beau poisson. Oh le beau poisson. Je viens de repérer un très très beau poisson. Attention. Attention. C'est parti. C'est magnifique, c'est superbe. Ça par contre à ne jamais faire. Hein. Écoutez-moi, mais ne faites pas comme moi. Hein, parce que laisser traîner les cannes dans les bateaux, c'est le meilleur moyen de louper des poissons. Waouh, la douche est gratuite. Pouf. Et voilà. Mais en plus, ce rancunier m'a mordu. Allez, au revoir. Oh, je trouvais ça drôle, moi. Ah. Non. Vous avez vu la taille de l'alvin ? C'est hallucinant. Le tronc est là. Hein. Aujourd'hui, c'est pas des très gros poissons qui sont sortis. Poissons d'un kilo, un kilo deux. Mais très combatif. Quoique celui-là est légèrement plus gros. Alors là encore, poisson vu. Pas égal poisson pris, mais il y a une attaque quasi certaine. Voilà. Je peux vous dire qu'il est piqué. Hein. Pour pêcher au vif, je vais utiliser un vif qui s'appelle un vif. Ça peut paraître surprenant. Je vous assure, pour un gros blanc, une bouchée comme ce gros gardon ne lui fait absolument pas peur. Alors la pêche que je pratique, c'est... on ne peut plus simple.
un nylon fluo, un hameçon et un vif sans plomb, sans rien du tout. On laisse promener le vif en surface et on essaie de repérer les poissons. Généralement, quand un black voit ce poisson bridé comme ça évoluer, l'attaque est quasi immédiate. Alors là encore, je me répète, mais l'usage du fil fluo et des lunettes polarisantes est indispensable. Alors bien souvent, sur ce type de pêche, qui est un peu plus simple à mettre en action, c'est sur l'impact du vif sur l'eau que le black bass se déplace d'abord par curiosité, qu'il attaque. Un beau poisson. Alors vous voyez, cette technique de pêche est la plus simple du monde, mais c'est redoutable. Quand les poissons cette saison ont terminé la frayée, ils ont besoin de se réalimenter à tel point que ils n'hésitent pas, je dirais même, à faire du cannibalisme entre eux. Nous avons affaire à un très beau poisson qui lui aussi est allé se caler dans un herbier. Nous allons... Vous voyez l'intérêt d'utiliser aussi des gros nylons, c'est pour les éviter, tant que peut se faire, qu'ils aillent se coincer dans les herbiers, comme ici par exemple. Voilà, on y est. On va essayer de le sortir de là. Par là, ça ne veut pas. C'est pas possible ça quand même. Ça y est, il est sorti. Vous voyez que c'est très sportif quand même. Il est reparti dans un herbier. Parce qu'évidemment, là où je les cherche, les fonds sont très encombrés. C'est un superbe poisson. J'avoue que je suis très content. C'est un poisson qui fait 2 bons kilos. On va aller le décrocher gentiment. Regarde comme c'est massif. Allez mon gros, tu m'as donné beaucoup de plaisir. Allez, au revoir. On va repartir sur une nouvelle tentative après le succès qu'on a eu. Alors, on va essayer de sélectionner un vif. Petite astuce, lorsque j'èche mon vif avec mon hameçon, je ne fais jamais ressortir l'hameçon par la narine. Pourquoi ? Parce que c'est une partie molle et sur une attaque de black bass, ça se déchirera quasiment instantanément. Je pique toujours au milieu dans le cartilage. Des poissons extrêmement mobiles, pas hésiter à prospecter une zone très large. Hop là, c'est parti. Petit poisson qui est derrière. Alors mon vif est harcelé par un black d'une vingtaine de centimètres. Faut savoir que mon vif en fait à peu près une dizaine. Ça vous donne une idée du tempérament qu'ont les poissons à cette époque. D'ailleurs, on a très souvent affaire à des exemples de cannibalisme entre black bass. À cette époque-ci de l'année, ils ont la fâcheuse habitude de s'entre-dévorer. On va prendre contact et en faire casser. Oh, oh lolo, 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 le gros poisson. Alors je pense que ce n'était pas un black. Ça sent très fort la touche de brochet. Mais il ne nous reste plus qu'à refaire le montage. Thank you.
perds rien. Parce que là, il est beau. Attaque. Il a déjà recraché le vif. Et alors, ce que j'annonçais tout à l'heure est en train de se vérifier. J'ai un gros poisson et il y a son grand frère qui est en train de le suivre juste derrière et qui lui met des grands coups de dents. Ça, c'est quand même quelque chose à voir. Hein. Là, nous avons le black qui se bat et 50 cm derrière, regardez-le qui arrive, nous avons son grand frère. Ça, c'est quand même quelque chose. Ah, il est beau. Un beau poisson. Un beau poisson pris avec une méthode on ne peut plus simple. Ah, magnifique. On va le remettre à l'eau. Allez mon grand. Va grandir. Alors il y avait son grand frère qui était juste là derrière. À mon avis, il est encore dans le secteur. On va essayer de le reprendre. Il n'est pas très gros. En espérant qu'il attire son grand frère. C'est pas un gros poisson à l'aplomb de la canne. Un petit black a attaqué mon vif qui lui-même s'est fait attaquer par un black de taille plus importante. Non, j'ai que le petit au bout. Et on va voir si le raffut. Je vais faire quelque chose qui peut paraître un peu choquant, mais je vais garder le petit dans le quartier. Des fois que ça attire le gros. Et on va y repêcher. Donc, je peux aller chercher un vif. Encore on a vu. Et je vois une ombre noire qui me paraît pas dégueulasse. Alors je ne sais pas ce que c'est. Et vous allez voir surgir de nulle part un petit black, voilà. Non mais regardez-moi ça. Si ça c'est pas de l'agressivité. Ah mais non, mais là, il est plus seul, ils sont deux. Et trois. C'est fou. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Oula, attendez. Chasse au large. Grande chasse. Gros poisson. J'y lance dessus. Il y a eu une superbe chasse. Là, je pêche un peu au petit bonheur la chance. En croisant les doigts pour que ce ne soit pas un de ces chers brochets. Comme tout à l'heure. Oh là, beau, beau poisson, beau petit, gentiment. Non, je vais pas pouvoir descendre ici. Parce que bon, c'est bien beau de pêcher, mais il faut quand même penser. Ah, ici, je devrais pouvoir. Eh non, il n'y était plus. Il avait lâché. Ça fait rien, on va y remettre. C'est tendu. Et voilà le travail.
Voilà, un petit poisson. Et alors il a avalé. Non seulement il a avalé, mais quand j'ai voulu couper le fil, il s'est vengé. C'est-à-dire qu'il m'a fait un bisou. À sa manière. Allez, je suis pas rancunier. Retourne chez toi. Regardez, à l'état d'alevin, déjà agressif. Alors là, il faut savoir que très peu survivront, car ils vont servir d'alimentation à leur père et à leur mère. Alors, les poissons sont d'une telle agressivité que je me fais dévorer tous mes vifs de taille normale par des poissons entre 20 et 25 cm. Donc pour essayer de remédier à ça, je vais pêcher au flotteur. Je vais utiliser un montage un peu plus simple, à savoir toujours mon nylon fluo, un stop flotte sur lequel le flotteur coulissant viendra buter, une olive proportionnelle au grammage du flotteur, petit accessoire, une perle d'arrêt qui évitera que l'olive vienne taper sur le nœud reliant à un émerillon à agrafe. Au bout de cet émerillon à agrafe, un bas de ligne d'une quarantaine de centimètres d'un diamètre de 2 centièmes inférieur à celui du cours de ligne et un hameçon triple pour locher tout simplement le vif par la bouche. La canne est une canne d'action dite bombette en 4,50 m, qui est une longueur standard, moulinée classique à frein arrière et toujours mon nylon fluo. Donc je vais pêcher au flotteur, ce qui me permettra d'employer des vifs de taille beaucoup plus conséquente. J'espère que ces quelques heures passées ensemble vous auront apporté beaucoup de plaisir et surtout quelques bonnes astuces pour prendre du poisson, toujours plus de poisson tout en le respectant, car c'est un fantastique poisson de sport. Mon dernier petit conseil qui est répétitif, c'est rappelez-vous les règles principales de la discrétion, de l'observation, et la réussite sera pas tous les jours au rendez-vous mais quasiment. Dernière petite recommandation. Encore une fois, respecter ce poisson magnifique qu'est le black bass.